Bonjour à tous, c'est le Dalucard et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Alien Isolation. Et oui, je sais déjà ce que vous vous dites, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait même de vidéo, hein, tout court carrément. On va faire continuer la partie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà la dernière fois j'avais expliqué qu'il y avait eu beaucoup de sorties et que j'avais eu beaucoup de livres et autres à lire et que j'avais eu envie forcément de faire une petite pause pour profiter un petit peu de mon côté. Hein. C'est à peu près la même excuse que je vais ressortir avec en plus l'histoire qu'il y ait Noël dans pas longtemps. Alors, parce que le mois de décembre c'est clairement un mois où... Oh putain, je suis encore là. Le mois de décembre, c'est clairement un mois où c'est très difficile pour moi de faire des vidéos, puisque je reçois des amis, je vais chez des amis, je suis en vacances, donc j'en profite, parce que les études, c'est pas très très... Mes études sont pas faciles. Je fais un BTS assez compliqué. Il y avait un bug qui était vraiment pas beau. Ça vous permet de voir les bugs, hein, comme ça. Ok, le Xeno est juste là. C'est lui qui fait bugger ? Non, c'est un bug graphique. Ça, c'est, ça sert. Les bugs sur ce jeu sont plutôt rares, hein, faut l'avouer. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment risible comparé à certains autres jeux qui sortent actuellement. Je crois que je suis mort. Après l'évacuation, vous êtes obligé de ne pas regagner la chance. Rien à cause du bug. Je suis mort. Mais je vois rien à cause du bug là. Il faudrait que ça s'arrange. Parce que là. C'est quand même dégueulasse qui va arriver. D'ailleurs, bizarre qu'on se fait tuer tout de suite, parce que normalement, ils sont censés essayer de nous amener à leur ruche, quoi. Alors, je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je fais, mais bon. Ah, sauvegarde! C'est quoi ces bugs dégueulasses? C'est bien la première fois que ça fait ça, quoi. Phew, je suis déjà... J'arrive pas à commenter. Je vous jure que je n'arrive jamais à commenter.
Ça sert à rien, je suis la pompe sur lui. Il m'avait entendu. Bon, on avance petit à petit quand même. Il est assez dur le jeu, hein, quand même. Vous l'aurez remarqué. On va recharger la pile de cette torche. Faut que je redémarre le générateur. Il se trouve juste à côté. Baisser un peu le son. Parce que peut-être que vous allez entendre dans le micro. Ah, pour Noël, je vais avoir un nouveau micro. Le souci, c'est que quand vous êtes bloqué dans une chambre comme ça, vous n'avez pas le choix. Je vois pas trop comment on peut faire pour... Alors oui, il y aurait bien les objets. Enfin bon. Ouais, je peux pas. Après l'évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre soit donné par le coordinateur en plein d'urgence. Alors, c'est où ? Faut que j'arrive à sauvegarder. Non. Pourquoi il veut pas que je sauvegarde, merde. Tant pis si je meurs. Où j'aille où maintenant? Probablement ici. Faut vraiment que je refasse tout ça, à votre avis? Ah, mais là... Je vais là pour sauvegarder. Cette ambiance sonore de malade mental, putain.
Il est où? Ah, pu... Là, c'est l'alien qui bug? C'est l'alien qui bug, apparemment. Bon, maintenant que je suis là... Est-ce que je peux aller par là, à votre avis? Il y a remis un générateur pour quelque chose. Voilà, voilà. Je suis mort. Ah ouais, mais c'est ça qui est chiant. Une fois que vous allez dans un cul-de-sac, c'est mort, hein, tout simplement. Bon, par contre, c'est assez chiant si jamais la Lenny bug. Voilà. Ah. Eh ben, on aura avancé au moins, c'est bien. J'ai vraiment beaucoup de mal à commenter ce jeu, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est horrible. L'ambiance, elle est vraiment au-dessus de mes moyens. Je peux pas commenter et être tranquille. Enfin, non, je peux pas commenter tranquille et jouer, quoi. C'est pas possible. Je pense que c'est pour... Enfin, j'espère que c'est pour tout le monde pareil, parce que sérieux, si vous êtes pas oppressé par cette ambiance... Je sais pas ce qui vous est arrivé dans votre vie, ou autre, mais... ouais... Plein. On va en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet émetteur de son... Une bombe fumigène, pourquoi pas. Une grenade aveuglante, pourquoi pas, même si j'ai des doutes que ça fonctionne contre l'alien. J'ai pas testé, je crois d'ailleurs. À mon avis, c'est plus contre les humains. Voilà. Du coup, je vais pouvoir ramasser un peu plus. Donc là, on va faire attention parce que... Problème, là, ça va peut-être être les humains. Ah, on sépare ici. D'ailleurs, je devrais prendre de la vie. On va en prendre tout de suite. Et c'est parti.
Sûrement une séquence de gameplay où le Xeno aurait pu venir, probablement. Je l'ai peut-être évité. C'est pas plus mal parce que j'en ai marre de me le coltiner. Et je commence à en avoir pas assez du jeu, on va dire, mais il est temps que ça se termine, parce que ça traîne un peu. Et je pense que c'est vrai que quand certaines personnes m'ont dit il est un peu trop long, en fait, je crois comprendre pourquoi. Oula. Alors déjà on va sauvegarder la partie. Parce qu'il va y avoir probablement des xénos qui seront par là. Hein? Ok. Ok, alors on s'approchera pas de lui là devant. Ok, il y a un Xeno. Ah merde, c'était pas du tout là. Ah, rien ici. Alors, par où? Il faut aller par là, il y en a une à gauche, une à droite. Okay. Ok, on peut se cacher là. Le truc, il serait juste là. Rétablir le courant. Merde. Ok, il y en a un qui fait. J'ai l'impression qu'il y a un truc à remettre en service ici avec les fils électriques. Ambiance de merde quoi, putain.
Voilà. Ouais, je crois voir où. C'est le petit terminal, ouais. Ah. Ok, on va essayer d'aller en haut. Oui, la plateforme de maintenance. Y'a pas un truc pour sauvegarder? Ah, y'en avait un là-bas! Non. Ah si! Ça, je l'ai même pas vu. Allez au sas. C'était le... Ouais.
pas où il est, moi. Bon. Juste au-dessus de moi. Voilà, maximum par là. Ok. On est proche. Dis pas que je vais devoir m'échapper du truc et tout. Il y a un cadavre de Facehugger à côté de moi ou pas? Ça n'en a pas. Saloperie. Quoi? Putain, je dois aller où? Saloperie quand même. Ça fait 30 minutes de vidéo. On va s'arrêter sûrement après, mais... Putain!
tous ces œufs ouverts. Ils se sont pas ouverts pour rien. Oh, mais... Déjà, en admettant que pour même une dizaine d'œufs, même une cinquantaine d'œufs, un seul humain contaminé, ça en a déjà plus d'une cinquantaine, hein, dedans. Il n'y a rien pour sauvegarder. On va fouiller parce que j'ai plus beaucoup de carburant. Il y a peut-être la possibilité de trouver quelque chose. Alors, on peut utiliser ça. L'avantage, c'est que du coup, on a dû tomber loin du nid, j'imagine. Parce que c'est un mini... un mini nid. Un mini nid. Toujours pas de truc pour sauvegarder, putain. Il y a une sauvegarde. Oh, je sais même pas si c'est scripté. C'est chaud. Putain. Rien pour sauvegarder, merde. En pas longtemps, apparemment. Putain de merde. Voilà. Bah écoutez, c'était la fin de cette vidéo, ça fait quand même 35 minutes, donc moi je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se sera fait avoir par un face girl. Bon, c'est pas très très grave, on avance, c'est pas un souci. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que je ne sais pas du tout. Déjà, je l'ai pas vu venir, donc ça tombe, on va se refaire avoir la prochaine fois. Mais surtout, il n'y avait pas de point de sauvegarde depuis un petit moment, donc j'espère que ça sera quand même pas très loin, parce que sinon on est un peu dégoûté, je pense. Enfin bref,
Sur ce, eh bien, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager vos abonnés si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à plus.